L'industrie togolaise contribue à plus de 13% du PIB. Il en faudrait encore pour impacter suffisamment l'économie. Et l'usine Simtogo est un acteur de taille. Face à la concurrence et aux besoins exprimés sur les marchés, il urge d'étendre ses capacités de production du ciment, ce qui passe par la modernisation et la mise en place de nouvelles stratégies gagnantes. Alors le projet aujourd'hui d'extension de l'usine de Simtogo Lomé consiste dans un investissement de 30 millions d'euros avec une nouvelle ligne importante de broyage ciment qui va donc rajouter 1 million de tonnes de capacité annuelle en plus et qui portera la capacité annuelle de Simtogo à 2,1 millions de tonnes annuelles. En plus de ça, nous avons augmenté les capacités de stockage ciment. Nous avons augmenté de manière très importante les capacités d'ensachage pour livrer le client rapidement, d'accord, dans notre usine. Donc voilà, donc on parle d'un investissement structuré, cohérent, qui permet de positionner Simtogo de manière compétitive sur le marché. Le ministre en charge de l'industrie et celle de la promotion de l'investissement se disent satisfaits de l'avancée des travaux. Et très bientôt sortira le premier paquet de ciment de cette nouvelle chaîne de production. On a eu à constater qu'effectivement les délais qui ont été donnés ont été tenus, notamment c'est un projet qui s'est réalisé pratiquement sur 18 mois. Normalement, d'ici la fin du mois, début du mois de juin, on devrait avoir les premières productions sur la nouvelle chaîne, ce qui va permettre de pouvoir augmenter de façon significative la capacité de production du ciment et d'offrir plus de ciment sur le marché togolais. Donc ça s'inscrit, je dirais, dans l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale. C'est en cela que nous disons que notre feuille de route gouvernementale 2020-2025, qui est une grande ambition portée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, se met en place. Il est question de créer suffisamment d'emplois pour nos jeunes et pour les femmes. D'ici 2025, le gouvernement ambitionne créer 500 000 emplois. Et le secteur porteur en termes de création d'emplois, c'est l'industrie. Simtogo est une des usines dans le secteur de la cimenterie à produire avec 95% d'intrants made in Togo. Cette usine entend se positionner fermement et jouer pleinement sa partition dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2020-2025.